Ah, le Buttercup Sanctuary est un refuge pour chèvres situé à Canterbury, en Angleterre. C'est là-bas que la plupart des expériences sur les facultés cognitives des chèvres ont été menées ces dernières années. Mais les scientifiques font face à un problème, toujours le même problème. Et ce problème, c'est Rupert. Rupert est un grand boucle qui aime à trouver un moyen détourné de résoudre les problèmes donnés par les scientifiques. Par exemple, si on lui donne un test de détour, il va sauter par-dessus la barrière. Il ouvre les portes normalement verrouillées, entraînant à sa suite la totalité des chèvres. Bref, Rupert est un emmerdeur. À l'observer de plus près, on s'aperçoit qu'il aime développer ses propres manières de faire, qu'il aime être plus malin que les expérimentateurs. Mais tout cela nous pose une question. Est-ce que les chèvres aiment les défis intellectuels ? Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous revenons voir les chèvres car elles nous manquent. En tout cas, moi, elles me manquent. La fois précédente, nous avions parlé des comportements de réconciliation chez les chèvres. Aujourd'hui, on va s'interroger sur est-ce que les chèvres aiment les défis intellectuels. Il est déjà bien documenté et connu que les animaux souffrent de stress quand ils n'ont aucun pouvoir sur leur environnement. Genre quand ils sont en captivité et n'ont aucune possibilité d'action sur ce qu'ils veulent faire, à quelle heure, avec qui, etc. Bah, aussi étonnant que ça puisse paraître, ça ne leur plaît pas plus qu'à nous. Mais si on leur laisse acquérir du pouvoir sur ce qui les entoure, est-ce qu'on se limite à diminuer des émotions négatives pour arriver à une sorte de neutralité émotionnelle? Ou est-ce que ça pourrait carrément produire des émotions positives? Dans une publication marquante de 2007, Meehan et Munch soulèvent la possibilité que le simple fait de résoudre un problème pourrait être gratifiant en soi, sans besoin de récompense supplémentaire. D'ailleurs, c'est exactement ce qu'on retrouve dans de nombreux jeux vidéo aujourd'hui. On achète le jeu et on y reste attaché par tout un tas de mécanismes de récompense liés au fait d'avoir résolu des problèmes. Le jeu ne nous file pas 100 balles et pourtant, on aime quand même y jouer. Regardez les gens qui vont à Question pour un champion pour gagner une vieille encyclopédie toute miteuse. Vous allez pas me dire qu'ils y vont pour la récompense. Et justement, c'est un jeu vidéo qui a été proposé aux chèvres pour tenter de vérifier l'hypothèse de Meehan et Munch. L'étude dont nous allons parler date de 2009 sous la plume d'une équipe allemande de l'Institut de Leibniz pour la biologie des animaux de ferme. Dans un premier temps, pour bien comprendre comment ça se déroule, laissez-moi vous présenter la reine. La reine Elisabeth II est née le 21 avril 1926 à Londres. Si elle est la reine du Royaume-Uni, son règne s'étend également sur les 15 royaumes du Commonwealth, dont l'Australie, le Canada ou la divine Grenade. La reine. Allez, on lance le match. Pour savoir si les chèvres aiment les challenges intellectuels, les scientifiques ont décidé de leur donner accès à deux systèmes bien distincts pour obtenir une même ressource. Une seule différence, l'un requiert de résoudre un problème et pas l'autre. À ma droite, elle coule sur votre langue comme un doux adagio. Elle a pour cousine la divine Calypso qui vous retient comme Ulysse dans son sublime lavabo. C'est la Fontanao! À ma gauche, une chose est sûre, il n'aime pas être sage. Chacune de ses énigmes est un message. Une seule bonne réponse en guise de péage et il récompense en eau pour un parfait amérissage. C'est le dispositif d'apprentissage! Sinon, il y a aussi un rack de fourrage au mur, un de nourriture au centre et une plateforme pour dormir car les chèvres, animaux montagnards, préfèrent dormir en hauteur. Ouais, les chèvres, ça aime pas vivre au sol sur terrain plat. Alors, brièvement, comment marche chaque dispositif? La fontaine à eau est une grosse boîte munie d'un trou pour la tête et d'un bouton au niveau des yeux de la chèvre. 20 cm en dessous, un bol. La chèvre appuie sur le bouton. 35 ml d'eau sont versés dans le bol. Easy peasy, lemon squeezy. Le dispositif d'apprentissage est une sorte de mini-salle de jeu d'arcade dans laquelle il y a un écran d'ordinateur protégé par une plaque transparente munie de 4 boutons aux 4 coins. 20 cm en dessous, un bol.
Quand une chèvre entre, l'écran s'allume et affiche une série de motifs disposés aléatoirement dans les cadrans. La chèvre a préalablement appris que seul un motif représente la bonne réponse, peu importe son emplacement. Si elle clique sur le bouton à proximité de la bonne réponse, 35 ml d'eau sont versés dans le bol. Easy peasy. Ouais, non, c'est déjà moins facile. Chaque chèvre est équipée d'un collier électronique. Quand elle active n'importe lequel des deux distributeurs, un ordinateur enregistre automatiquement l'individu qui appuie, le nombre de pressions sur chaque bouton, la date et l'heure. L'expérience se divise en deux grandes étapes, l'entraînement et le test. Entraînement. Pendant les 5 premiers jours, le dispositif d'apprentissage est fermé et les chèvres ont juste à appuyer sur le bouton de la fontaine à eau pour boire. So far, so good. Les 10 jours suivants, la fontaine est fermée et seul le dispositif est activé. Les chèvres doivent apprendre à reconnaître la bonne réponse sur un premier ensemble de formes. On appellera cette série P1. La bonne réponse, c'est ce motif. Et les mauvaises, et bah tous les autres. Peu importe où est le bon motif, si la chèvre appuie sur le bouton d'à côté, elle recevra à boire. Pendant ces 10 jours, nos caprins ont toujours accès au dispositif et elles peuvent essayer autant de fois qu'elles le veulent. Grâce à ça, aucune chèvre ne manque d'eau, même au début de l'apprentissage, puisqu'elles peuvent essayer au hasard jusqu'à tomber sur la bonne réponse et obtenir à boire. Deux chèvres ont été virées. Deux chèvres ont été virées. Deux chèvres ont été virées. Bon, deux chèvres ont été virées, les gars. Deux chèvres ont été virées. Deux chèvres ont été virées. Pourquoi? Parce qu'elles laissent les autres répondre et ensuite elles leur raquettent la flotte. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, les virer. Au bout de 5 jours en moyenne, toutes les chèvres dépassent le critère de réussite fixé par les chercheurs pour considérer qu'elles maîtrisent la tâche. Enfin, les 10 jours suivants, elles apprennent une nouvelle série, P2, dont la bonne réponse c'est cette forme, et les mauvaises, ces formes-là. Fin de l'entraînement. On résume. On a donc deux mécanismes où l'effort physique est identique, appuyé sur un bouton, mais où l'effort mental est différent. L'un requiert de résoudre une énigme, et pas l'autre. Mais que se passe-t-il si les chèvres ont accès aux deux en même temps? Logiquement, on se dirait que tout animal normalement constitué préférerait se concentrer sur une ressource facile d'accès, gratuite et tout le temps disponible, plutôt que de devoir faire des efforts pour obtenir la même chose. Ce serait idiot de se diriger vers le dispositif d'apprentissage alors que la fontaine à eau est en fonction. Test. Le jour du test est arrivé. À présent, les chèvres sont dans un enclos identique à celui de l'entraînement, avec accès simultané à la fontaine à eau et au dispositif pendant 5 jours. 5 jours avec la série P2. Mais ensuite, il y a 5 jours avec une toute nouvelle série P3, totalement inédite. Pas de panique, les résultats sont ouf guedin, les amis. Il s'avère que la plupart des chèvres continuent d'utiliser le dispositif d'apprentissage entre 30 et 35% du temps. Certaines vont même diriger jusqu'à 90% de leur pression de bouton journalière sur le dispositif d'apprentissage et obtenir la majorité de leur eau par ce biais. Plus fou, ça semble directement corrélé avec leur taux de réussite. Celles qui réussissent le mieux sont celles qui ont le plus tendance à utiliser le dispositif, même lorsqu'une nouvelle série inconnue, P3, est ajoutée et que leur taux de réussite est super bas au départ, le temps de découvrir la bonne réponse. Mais de manière générale, quasiment toutes les chèvres, même les moins douées, vont tenter de répondre aux jeux vidéo durant la journée, peu importe leur taux de réussite. Voilà un schéma pour voir les résultats individuels. La période correspond aux séries P2 et P3 de la phase de test. Les jours correspondent aux 5 jours du test pour chaque période. Et ensuite, le nom des chèvres, que j'ai complètement inventé car sur l'étude, elles s'appellent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et je trouve ça nul. Les chiffres représentent le pourcentage quotidien de pression des boutons dans le dispositif d'apprentissage par rapport à toutes les pressions de la journée. Dispositif d'apprentissage plus fontaine. Par exemple, le jour 3 du test P2. L'animal gangsta Killa a pressé 91% du temps les boutons du dispositif d'apprentissage, et donc seulement 9% du temps, celui de la fontaine à eau. À l'autre bout du spectre, on s'aperçoit que certains animaux, comme gamelles, utilisent majoritairement la fontaine à eau.
Je vous laisse une seconde pour regarder le schéma, c'est intéressant de voir les différences individuelles. Donc, on a des animaux qui, même s'ils peuvent obtenir une ressource gratuitement, vont continuer à utiliser le dispositif qui les oblige à réaliser une activité intellectuelle. Le fait que les chèvres continuent d'utiliser le dispositif de manière stable à travers la phase de test, alors qu'elles n'y sont pas obligées, semble bien indiquer que ces dernières tirent un intérêt à la tâche de résolution de problèmes, plus qu'à la récompense en elle-même, ce qui va dans le sens de l'hypothèse de Meehan et Munch. Bon, mais que comprendre de tout ça? On sait qu'il existe chez l'humain un plaisir intrinsèque à résoudre des problèmes, à gagner du contrôle sur son environnement, de la prévisibilité. Ça permet de diminuer l'incertitude sur ce qui nous entoure. Et c'est probablement ce qui explique le succès des escape games à l'heure actuelle. Yes! On peut facilement imaginer l'intérêt évolutif d'un tel mécanisme cérébral de gratification lorsqu'on comprend comment notre environnement répond à nos actions et comment on peut agir de manière fiable dessus. Dans une célèbre publication de Hagen et Bomb en 2004, on a découvert que des vaches qui apprennent à ouvrir d'elles-mêmes un portail pour sortir présentaient des réactions comportementales et physiologiques d'anticipation et d'excitation bien supérieures à celle des vaches pour lesquelles le portail s'ouvrait automatiquement. Les deux chercheurs interprètent cette excitation comme un effet Eureka! En d'autres termes, les vaches réagiraient émotionnellement à leur propre succès. D'ailleurs, je consacrerai une vidéo aux théories des émotions chez les animaux et on verra que les critères comme la contrôlabilité ou la prévisibilité sont intimement liés au sentiment de plaisir ou de frustration. Bref, les chèvres démontrent un intérêt certain à l'utilisation d'une machine qui les oblige à faire un effort mental et elles semblent en tirer une certaine gratification. Ah, quand un escape game pour les chèvres, hein? Blaguez pas, ils l'ont fait pour les moutons. Mais ce sera pour une prochaine fois. Je voulais en profiter à nouveau pour remercier infiniment toutes les personnes qui me soutiennent sur Tipeee et Utip. Surtout en ce moment, c'est vraiment précieux. Merci, merci. Et merci à toutes les personnes qui me suivent et laissent régulièrement des encouragements qui me vont droit au cœur. Je vous aime et je vous embrasse.